Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Christophe Noadé, je suis médecin généraliste secteur 1 à Saint-Laurent-du-Var dans les Alpes-Maritimes. Voilà, je représente une petite coordination puisque ça fait pas longtemps qu'on s'est mis en place, il y a à peu près un peu moins d'un mois. Et au fur et à mesure, on se regroupe chacun, beaucoup dans le cadre de la FMC de Saint-Laurent-Cagnes-sur-Mer. Pardon, excuse-moi. Je t'en veux pas. Donc voilà, c'est difficile. Moi, je suis entièrement d'accord avec MST 71 pour envisager donc un arrêt complet de l'activité libérale et même pour aller directement, si besoin, au déconventionnement. C'est difficile. Chacun, quand on me dit oui, on va faire grève un jour, deux jours, etc. Oui, d'accord, mais ça sert à rien un jour. Non, je suis pas d'accord. Un jour, déjà, tu montres que tu es présent. Une semaine, quand tu as eu les grèves donc pour Noël, c'était bien. On a réussi quand même sur Saint-Laurent, donc on est une trentaine de médecins. Il y a eu plus de la moitié des cabinets qui étaient fermés. C'était quand même pas mal pour une fois, parce que ça bouge. Et c'est difficile de faire bouger dans le sud. Hein, je vous dis, c'est quand même. On est nombreux, il y a beaucoup de secteurs 2, beaucoup de problèmes. Donc, mais au fur et à mesure, on se met en place. Et j'espère que ça va continuer pour essayer d'arriver à l'abrogation de cette loi et qui est complètement débile. Quoi. Enfin, bon, pour revenir au DMP, moi je pense que bon, le DMP, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est une bonne chose, mais quand on me dit, oui, le DMP, qui est-ce qui va le faire? C'est les médecins qui vont rentrer tout à l'intérieur, et pour rien. Tout le monde s'est gavé pour 500 millions, et nous, on va se retrouver à rentrer tous les trucs, etc., pour rien. Je veux bien, c'est le patient, mais nous, déjà, on fait notre dossier. Les généralistes, on a autre chose à faire qu'encore de l'administratif, de la paperasse et tout. Donc, quand on va chez un... voilà. Quand on rentre sur, comment ça s'appelle, faire un crédit à la banque, on a des frais de dossier. Ben là, c'est pareil. On veut nous faire créer un dossier, ben pas de problème. Combien vous nous payez? Tout se négocie. Je vois pas pourquoi. C'est comme les 2 euros, c'est complètement ridicule. Les patients viennent, ils me disent, vous allez être augmenté de 2 euros. Je dis, mais c'est ridicule, 2 euros. On était à 23 euros, c'est déjà ridicule, mais 2 euros de plus, c'est ridicule. Pourquoi se limiter, quoi? Ah ouais, non, c'est... Et on est tous d'accord, quoi. Après, on te dit, oui, ça marche très bien en Allemagne. Pas de problème. La consultation en Allemagne, c'est 71 euros. Eh bien, qu'on s'aligne. Eh bien, voilà. J'ai un collègue qui est allemand, il n'en veut plus, il est revenu en France. Hein. Oui, mais il y a 25% des Allemands, des médecins allemands qui arrêtent et qui sortent du système allemand, tellement c'est mirobolant, quoi. Donc, voilà. Après, j'ai une patiente qui est canadienne qui me dit, mais les Français ne se rendent pas compte. Vous ne vous rendez pas compte? Je vous téléphone le matin, j'arrive à avoir un rendez-vous dans l'après-midi et vous ne me faites payer que 23 euros. Mais au Canada, c'est pas comme ça. Je téléphone, on me donne un rendez-vous peut-être dans les 15 jours et si c'est urgent, je dois aller passer la journée à l'hôpital. Voilà. Mais c'est complètement aberrant. Quoi. Voilà. Il n'y a qu'en France qu'on ne se rend pas compte des avantages de notre système qui est en place. Et voilà, quoi. Le tiers payant, on le fait tous pour nos patients par rapport à leurs besoins ou quoi que ce soit. Le chèque, si jamais il paye ou quoi que ce soit, vous pouvez le mettre dans un mois, oui, pas de problème, quoi que ce soit, même le faire gratuitement, on s'en fout. C'est pas une question de comment ça s'appelle, ça va, on n'a pas fait médecine que pour l'argent. On gagne très bien notre vie, pourquoi? Parce qu'on fait des heures et ça s'arrête là, quoi. Mais bon, ouais, à part les femmes qui prennent toujours des vacances. Moi, j'ai une associée qui est à mi-temps, mais bon, c'est son choix, mais elle fait des heures. Elle commence à 9h, elle finit à 14h à mi-temps. Nous, on a fait une étude sur les femmes médecins. Les femmes médecins font une consultation en 19 minutes, les hommes en 15 minutes. Rien que ce différentiel-là, avec rajouter le nombre d'heures par semaine où les hommes font 59 et les femmes 49, un truc comme ça, à la fin du mois, c'est 36 000 euros. À la fin de l'année, c'est 36 000 euros en moins dans le chiffre d'affaires. Rien que pour ces minutes et sur le temps travaillé. Et une fois qu'on a enlevé ces 36 000 euros, vous arrivez à elle gagne la moitié d'un homme. Parce que les charges fixes sont les mêmes. Voilà des mathématiques qui parlent. Donc, il faut enclencher un nouveau système de rémunération qui tienne compte de ça, parce qu'on ne pourra pas, pour des gens qui décident de faire un mi-temps ou un petit temps, et c'est leur droit, eh bien, d'obtenir une rémunération digne. C'est un nouveau combat à mener. Je suis d'accord. Hein. Mon associé, donc je vais prendre son cas, elle s'est arrêtée parce qu'elle a eu une grossesse gémellaire. Elle s'est arrêtée pendant 6 mois, et ben voilà, elle n'a pas été payée. Et bon, elle a la chance, son mari est ingénieur. Mais bon, tout le monde n'a pas cet avantage. Voilà.
Ah non, mais je suis entièrement d'accord. Moi, je trouve ça scandaleux. Moi c'est un truc. Ça me. Pardon. Je te laisse. Merci beaucoup et puis bon courage.